Amis de la masse, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, la chaîne du Doc. Pour tous ceux qui me connaîtraient déjà par Cher Fitness, là où j'étais avant sur la chaîne précédente, bien merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et pour tous ceux qui ne me connaisseraient pas, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Paul Mathieu, j'ai 29 ans et je suis cardiologue. Et avant, je participais donc à une chaîne qui s'appelait Cher Fitness. Et j'y faisais des vidéos principalement, des interventions médicales sur le monde du sport et notamment de la musculation. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chaîne? C'est une chaîne où les valeurs, on va dire, principales vont être, comme avant, des connaissances médicales, de l'apport au niveau sportif, puisque je pratique le sport et la musculation depuis maintenant 10 ans, donc ça fait longtemps, tout ça pour, comme vous pouvez le voir, un corps qui ne remplit même pas la blouse, qui est pourtant qu'une taille 3. Donc soit c'est la PHP qui taille XXL, soit il faut que je prenne encore un petit peu de masse. Dans tous les cas, je faisais donc des vidéos avec un apport médical, un apport sportif, et donc ça va rester sur cette nouvelle chaîne, avec bien sûr, on espère, du fun et de la bonne humeur pour apprendre en s'amusant, je sais pas, mais en tout cas dans un esprit de convivialité et de partage. Donc les valeurs restent les mêmes. Est-ce qu'il y a une embrouille avec Aiki? Alors, j'ai mis un titre un petit peu accrocheur, mais non, il n'y a pas d'embrouille et je ne quitte pas Cher Fitness, je reste sur Cher Fitness, mais j'avais envie de créer ma propre chaîne et c'est même Aiki lui-même qui m'avait encouragé à le faire un petit moment avant. Il m'avait dit, tu devrais créer une chaîne pour pouvoir affirmer ton identité, effectivement, avoir, entre guillemets, ma propre chaîne, mon propre chez moi et pas squatter de chaîne en chaîne comme j'ai pu faire et également pouvoir aborder des thèmes un petit peu plus, variés, diversifiés et sans forcément être toujours cantonné à la musculation et au fitness, puisqu'il y a des choses qu'on peut apprendre, que ce soit sur la médecine au sens un peu plus large, puisque la plupart des gens qui me suivaient, en fait, aimaient bien les vidéos médicales, hein, quand on partait d'une actualité, par exemple un bodybuilder ou un événement sportif, etc. Et on partait de là pour arriver jusqu'à une maladie, un événement, en tout cas quelque chose qui avait attrait à la santé, pas forcément de façon très proche de la musculation, hein, et d'apporter des explications, et je crois que vous aimiez bien, donc je pense qu'il y a moyen de développer quelque chose là-dessus. Donc l'idée, en gros, c'est simplement d'avoir un espace un peu plus personnel où je peux vraiment créer quelque chose qui m'appartienne, entre guillemets, et me ressemble. Voilà, tout simplement. Donc, pas de clash avec Aiki. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne? Comme avant, donc, c'est-à-dire des chroniques du doc, c'est-à-dire n'importe quoi, en rapport avec la médecine ou l'actualité ou la musculation. Deuxièmement, vous allez également trouver des actualités et des réactions. L'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est qu'on pourra faire aussi des lives, des FAQ, donc des questions-réponses en rapport avec les questions que vous vous poserez. Mais je pensais aussi continuer, par exemple, les vidéos d'entraînement, puisque notamment avec David, c'était quelque chose que j'aimais bien faire, même si c'était pas la série de vidéos qui marchait le mieux, mais je trouve que apporter des explications sur l'entraînement. Donc en tout cas, tout ça, ça permet aussi d'aborder tout ce qui est blessure de musculation, prévention, guérison, et que faire, comment diagnostiquer, etc. En tout cas, un apport vraiment, je pense, une vraie plus-value là-dessus. Et enfin, je compte faire participer des gens, que ce soit Aiki, mais aussi d'autres personnes du monde de la musculation ou du sport, pourquoi pas, et les faire participer sur des podcasts avec là aussi un thème précis où on pourrait échanger un petit peu comme j'ai fait notamment sur Cher Fitness, c'était le dernier avec Nevin. Donc voilà en gros le type de vidéo que vous allez pouvoir trouver et j'espère donc que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu et en gros comme font tous les youtubeurs, parce que maintenant la médecine c'est bien beau mais surtout mon principal métier ce sera YouTube. En tout cas ce que vous ne trouverez pas sur cette chaîne ce sera des vlogs en mode je suis en vacances aux Bahamas payé par un labo. Parce que tout simplement, en fait, les labos ne peuvent plus payer les médecins. Ça, c'était vrai il y a 60 ans, mais maintenant, les labos, c'est la misère. Ils n'ont même plus le droit de nous offrir ne serait-ce qu'un stylet ou un stylo. Et on est obligé d'acheter nos propres... on est tout obligé d'acheter, donc c'est vraiment, en gros, n'importe quoi. Donc ça, vous ne pourrez pas le voir forcément. Donc, tant pis pour ceux qui s'attendaient à avoir des paysages de rêve, ce ne sera pas le cas. Vous pouvez aller voir d'autres chaînes. Il y en a beaucoup qui le font beaucoup mieux que moi, sûrement. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Dr Miaous, en bas qui va s'afficher, ou en haut, je sais pas trop où je le mets. Et maintenant, je vous dis à bientôt. La première vidéo, la vraie première vidéo devrait sortir très prochainement. Donc, restez, stay tuned, comme on dit. Maintenant, je vais mettre le générique d'outro, la fin que j'ai préparée spécialement pour cette occasion. Allez, salut!